Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rapidement. On a eu de nouvelles informations concernant Tribbs, enfin Naruto Ninja Tribbs. Donc là, on est sur mon compte Twitter. Qu'est-ce qu'on a eu? Attendez. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme news sur la page officielle de Naruto X Boruto? On va aller directement parce qu'il n'y a pas eu que ça. Donc, premièrement, on va commencer par la première photo. Traduction. Bon, ça, on le sait déjà. C'est un jeu qui est basé sur un coup, genre une touche. Donc, on le sait. Donc, on défile. On sait qu'il y aura une technique spéciale. Après, des coups utilisés. Une jauge de chakra, là, qu'on voit ici. Ici, là. Donc voilà, on va directement passer aux choses un petit peu plus importantes, plus sérieuses. Concernant cette photo, on voit que Naruto 7e Hokage. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Dans le premier des cas, ça signifierait que peut-être ça serait le personnage de combat d'entraînement qui nous permettrait soit d'améliorer le personnage, soit de gagner des ressources pour améliorer le personnage. Donc, on va aller directement sur la publication que j'ai mise. Alors, on est où? Donc, voilà, c'est ça. Plutôt ça. Donc, je pense que ce combat sera utilisé pour l'amélioration ou sinon l'entraînement des personnages, mais j'en suis pas sûr. On peut imaginer trois autres caractères comme Naruto qui pourraient s'avérer être utiles pour l'amélioration des autres attributs ou types pour gagner un bonus d'XP. Par exemple, pour Sasuke, ça serait la tribu, je vais dire au hasard, hein, mais la tribu bleue. Pour Sakura, la tribu rouge, etc. etc. Enfin, là, Naruto, c'est la tribu rouge, donc Sakura, ce sera l'orange, orange, bleu, on verra. On verra par la suite. Et pourquoi pas Orochimaru, vu qu'on l'a vu très régulièrement lors des animations et des attaques spéciales combinées. Donc, on verra par la suite. Donc, qu'est-ce qui nous manquerait dans les derniers screens là? Donc comme je l'ai dit, les prochains screenshots qu'on pourrait les prochains les, oh là là, les prochains screenshots qu'on pourrait voir, en fait ce qui c'est enfin qui serait bien d'être d'être vu, ça serait la box, enfin la collection de nos personnages, l'inventaire des ressources, le mode là où il y a l'amélioration. L'amélioration, l'éveil, la vente des personnages, etc. etc. Et les différents types d'invocations selon la rareté du personnage. Quand je dis selon la rareté, ça veut dire, imaginons, sur le. On va prendre un exemple plus simple. On va aller ici. Et donc. C'était où? C'était sur leur live. On va aller directement sur leur live. En espérant qu'il n'est pas enlevé. Donc on va enlever le son. Voilà, je parle des invocations qu'on a ici. Attendez. Non. C'est là. Voilà. On avance. Voilà. Par exemple, là, on avait Jiraiya, Naruto Petit, et là, Naruto 7e Hokage. Et là, d'un coup, changement.
crois que ça avance un petit peu avant. Voilà, c'est là. On va pas skip. On va attendre un peu. Bon, voilà, là on va passer aux invocations. C'est juste pour montrer deux exemples. Mais je pense que vous m'avez compris, mais pour ceux qui n'ont pas compris, on va voir l'invocation. Voilà, là, on voit Mitsuki, Sarada et Sakura. On passe directement à l'autre. Voilà, ici, on va pas voir les mêmes. Comme vous l'avez vu, on a vu. Il faut que je fasse la pause au bon moment. On avait vu Mitsuki, Sarada et non, ce que j'ai, Sakura, Sasuke et Sarada pour cette invocation. Mais dans tous les cas, les deux invocations nous ont apporté un SSR. Par exemple, là aussi, on n'a pas eu ce petit passage-là. Le petit passage goldé en or, on l'a pas eu sur. Et le petit passage de Boruto aussi, comme vous l'avez remarqué ici. Là, pour la première invocation, Mitsuki, Sarada et Sakura. Invocation simple en bleu. Basique. Donc, qui drop un perso super rare. Parce qu'en fait, il y a trois. Il y a rare, super rare et ultra rare. D'après ce qu'on a vu. On n'a pas encore tout vu. Donc là, on passe au prochain. On va directement à l'invocation. Et on drop un per. Je pense que ce personnage-là, il est plus important que Yamato. Enfin, Boruto, ce personnage-là. Vu qu'on le voit un peu partout en screenshot, en wallpaper et tout. Ça serait intéressant de voir ce qu'il donne. Je pense que les autres personnages, enfin l'autre personnage Yamato, il n'aura pas d'amélioration et que Boruto aura sûrement une amélioration. Donc, SR 4 étoiles, je pense. Je pense que les étoiles ils vont également jouer. Après, on ne sait pas combien de. On sait pas combien de doublons faudra pour les éveils, combien de ressources, etc. etc. Et espérons qu'il y ait énormément de contenu pour le jeu. D'après ce qu'on a vu, ça m'a l'air pas mal. Et donc, voilà, c'est tout. Comme je vous l'ai montré ici sur mon Twitter, on a eu pas mal de news aujourd'hui, une petite heure avant que je fasse cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de me dire ce que vous pensez de la vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.